L'association de la communauté du Grand Nord voit le jour dans le Voury. Entente, solidarité, fraternité, c'est le credo de l'association de la communauté du Grand Nord qui vient de voir le jour dans la région du littoral et précisément dans le département du Voury. Il s'agit d'une dynamique naissante qui découle de l'urgente nécessité de travailler mutuellement dans le sens d'un vivre ensemble au sein de cette communauté en particulier et du Cameroun de manière globale. C'est que conscient de l'atmosphère qui règne au Cameroun, à l'heure où la fronde de la division fait fleurir à travers les discours prônant la haine entre les catégories socio-ethniques et culturelles, il y a lieu d'agir, de revenir aux fondamentaux. C'est donc soucieux de ces enjeux de cohésion multiforme que les ressortissants du Grand Nord dans le Voury ont décidé de créer un cadre de réflexion et d'action dénommé Association de la communauté du Grand Nord du Voury afin d'améliorer leur cadre de vie sociale, culturelle, économique et professionnelle. Cette association qui se veut laïque, à politique et à but non lucratif, est régie par la loi numéro 90/053 du 19 décembre 1990 portant sur les libertés d'association au Cameroun. Elle regroupe ainsi dans toute leur diversité culturelle et sociale les ressortissants du Grand Nord, à savoir le Nord, l'Extrême Nord et l'Adamawa, domiciliés dans le Voury. Avec pour siège l'enceinte du groupe MBF Fadil Holding à Douala Bassa, l'association nourrit de nombreuses ambitions. Appuyer les initiatives de développement, accentuer l'harmonie et valoriser le respect des familles pour une meilleure promotion du rôle de la famille dans la stabilisation d'une nation, promouvoir les valeurs d'hygiène, d'intégrité et faciliter l'insertion de la jeunesse dans le mouvement associatif, cultiver les liens de paix, de solidarité et le vivre ensemble avec tous les habitants de la ville de Douala singulièrement et ceux du Cameroun globalement. Aider les jeunes des différents quartiers à sortir de la précarité en facilitant leur insertion socio-professionnelle. Pour conduire cette noble mission, un bureau exécutif a été constitué avec entre autres comme président Abdoul Nassir. Le poste de secrétaire général est assuré par Mohamedou Bachirou, tandis qu'Adamou Oumarou s'occupe de la trésorerie générale. Tout compte fait, les ressortissants du Grand Nord dans le département du Voury entendent, par cette initiative consciencieuse, prendre les choses en main afin de contribuer significativement et qualitativement au raffermissement des liens au sein du groupe qu'ils constituent d'une part, et bien évidemment à l'effort de construction du Cameroun qui s'impose à tous d'autre part. Pour y parvenir, l'entente, la solidarité et la fraternité constituent le fil d'Ariane de leur feuille de route. Après l'organisation de la communauté musulmane avant l'élection présidentielle autour d'un projet commun, on note aujourd'hui la mise sur pied d'une nouvelle association des ressortissants de la communauté du Grand Nord dans le Voury, regroupant cette fois-ci tous les ressortissants du Septentrion, musulmans et chrétiens autour d'un idéal de solidarité, d'entraide et de cohésion. Nul doute que cette association qui draine déjà du beau monde connaîtra un succès réel car le Voury compte plus de 250 000 ressortissants du Grand Nord.